Michel Draguet, euh, merci d'être là. Euh, vous êtes euh, historien de l'art, bien sûr, membre de la classe des arts de l'Académie royale de Belgique, et puis aussi, et, et peut-être euh, par rapport à votre occupation surtout, euh, directeur général des musées royaux euh, des beaux-arts de Bruxelles. Et donc nous allons parler de, de l'impact de cette crise sanitaire sur, euh, sur les musées et euh, sur leur mission, leur public. Alors tout d'abord, euh, quelles sont les grandes difficultés que cette crise sanitaire a, a amenées pour, pour les musées et peut-être tout particulièrement pour, pour le vôtre, même s'il n'est certainement pas un cas exceptionnel Non, nous, nous sommes le 8 janvier 2021. Le, le Conseil bruxellois des musées a annoncé que les musées avaient perdu 56% de leur fréquentation. Nous, on a perdu plus de 90% de notre fréquentation. Alors pourquoi ce décalage euh, entre les chiffres Parce qu'on est euh, le recordman de touristes euh, qui viennent visiter le musée. Euh, c'est très amusant parce qu'avant de venir ici, j'étais au musée et il y avait deux touristes chinois. Je me demande ce qu'ils ont comme im image de l'Europe dans une Europe sans restaurant. Donc ils sont allés. Je leur ai posé la question. Ils étaient en Italie, en France. Ils n'ont pas fait un restaurant. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un restaurant européen. Euh, on n'a jamais connu ça. Je veux dire, même la Seconde Guerre mondiale n'a pas conduit à une fermeture du musée aussi longue que ce que nous avons con connu. Alors qu'ici, le deuxième confinement n'a représenté qu'environ un mois pour le musée, alors qu'en France et dans beaucoup d'autres pays d'Europe, les musées sont aujourd'hui fermés et le seront encore pour plusieurs mois. Donc c'est une crise dans le monde des musées sans précédent. Alors évidemment, on peut s'apitoyer, on peut larmoyer, nous avons perdu 90%, 95% de nos, de nos recettes, c'est un problème qui va se poser au budget de l'État. Mais comme il va se poser dans tous les secteurs à peu près, donc euh, c'est une solution qui devra être globale et même au-delà de la Belgique, c'est une solution globale pour l'ensemble euh, des, des institutions culturelles européennes. Je me félicite néanmoins que le pouvoir politique en Belgique a été capable de faire une distinction euh, dans l'intérieur du monde culturel. Un des problèmes des culturels, pour ne pas dire parfois des cultureux, euh, c'est de considérer qu'il y a une exception culturelle et que le monde culturel font, forme un bloc compact. Il y a en fait, on se rend compte, trois types de cultures. Il y a une culture qui bénéficie formidablement, et c'est positif, de cette crise, c'est la lecture. Les individus sont renvoyés vis-à-vis du vide d'une certaine manière de leur existence, et ils vont le remplir par la lecture. Euh, les chiffres que j'ai vus des maisons d'édition en France sont plus que positifs. Euh, il y a un deuxième aspect qui est un rapport au monde culturel, peut-être le, le plus vieux, le plus engoncé, le plus traditionnel, qui est le musée, c'est-à-dire c'est un lieu. Et ce lieu, les musées royaux des, des beaux-arts, c'est 40 000 m, dont 20 000 m de réserve, mais il y a 20 000 m accessibles aux visiteurs. Pour l'instant, on en a entre 200 et 500 par jour de visiteurs, et les jours de week-end, 1 000. Ça veut dire que c'est beaucoup moins encombré qu'une grande surface, qu'un magasin de livres, qu'un qu grand magasin ou autre. Autrement dit, en termes de risque Covid, il est inexistant. C'est une aberration pour moi de voir le Louvre fermé, le musée d'Orsay fermé. Ça n'a pas de sens. En termes épidémiologiques, ça n'a aucun sens. Ça a un sens simplement si on tient compte du déplacement des visiteurs pour aller au musée. Parce que pour arriver au musée, il faut se déplacer et on veut éviter les déplacements. C'est le seul point sur lequel on peut, on peut jouer. En même temps, euh, je n'ai jamais reçu autant de témoignages de visiteurs qui m'ont dit durant les fêtes de fin d'année, ça nous a fait du bien de venir au musée, ça nous a fait nous évader du quotidien pendant un moment. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de neuf euh, que, que le musée a pu apporter. Donc, c'est une crise majeure, mais comme, c'est pas à l'historien que, que je vais dire ça, comme toutes les grandes crises, on se rend compte qu'elles n'ont rien inventé, elles n'ont fait qu'accélérer un processus qui était déjà en place. Et ça, c'est l'élément déterminant pour le futur. Et... Précisément sur euh, ce que la crise a, a révélé euh, de, de la situation des musées, qu'est-ce qu'on peut dire des, des publics et, et, et comment, d'une certaine manière, vous avez répondu à la demande de ce public qui avait envie de retourner euh, au musée, mais en temps de crise On ne fait pas exactement la même chose, on est limité euh, euh, par toute une série de, de, de règles, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des solutions différente ou bien est-ce que euh, vous avez juste adapté le rythme Alors, euh, le, 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 au moment où le confinement s'impose, euh, la Belgique est dans une situation un peu particulière. Nous sommes quasiment les seuls en Europe, à, avec la France, à avoir connu ça durant la vague d'attentats 2015-2016. Mais euh, le blackout qu'on a connu, il a duré une semaine à peu près et euh, il y a eu un choc d'image à ce moment-là, et on a mis deux ans à récupérer un, notre public normal. Ça a été beaucoup plus vite en France, la réaction a été fort différente. On avait déjà une expérience de, de ce blackout qui, à ce moment-là, était court. On s'est rendu compte, quand on a fermé, qu'il était nécessaire de pouvoir continuer à donner euh, à des visiteurs que l'on ne peut plus qualifier de visiteurs, hein, euh, de donner un accès au musée, ou en tout cas, à permettre au musée d'être toujours vivant dans leur esprit. Et c'est quelque chose d'assez étrange. Moi, cette crise, elle m'a offert la possibilité de passer beaucoup de temps à ne pas travailler comme je travaillais avant, mais à travailler autrement. Et en même temps, à lire des études qui m'ont fortement étonné. J'ai vu, en lisant ces études, que d'une part, la pratique du déjeuner d'affaires. Qui, à mon avis, doit encore être très pratiqué par l'ensemble des membres de l'Académie royale, vu notre âge, euh, n'est plus du tout une pratique chez les plus jeunes dans le monde du travail. Mais surtout, quand on va vers, par exemple, les 18-22 ans, le restaurant n'est même plus une activité. On préfère commander des plats, faire ça chez soi, organiser sa vie autrement. Il y a de moins en moins d'espaces collectifs, publics, qui appartiennent à la communauté. Dans lequel euh, des jeunes générations vont vouloir se reconnaître, et c'est un vrai défi pour le musée. C'est un lieu, bah, c'est un peu comme ici. C'est pompeux. Il hein, y a des ors. Euh, il faut rentrer. Il y a un immense forum, des grands tableaux d'histoire dont on ne sait d'ailleurs pas qui sont les personnages qui se trouvent dessus, des grandes peintures religieuses dont on ne sait plus du tout euh, les histoires qu'elles racontent, euh, pour beaucoup de visiteurs, je pense que c'est euh, mesurer l'incroyable degré de leur inculture que d'être dans un musée. Donc ça ne donne pas envie, ce type d'expérience. On s'est rendu compte avec les équipes du musée qu'il fallait euh, transformer ces choses-là pour que ça devienne des objets d'appropriation pour le visiteur. Que le visiteur puisse dans un rapport à l'œuvre d'art. Alors il y a toujours le discours savant, euh, les spécialistes, euh, les historiens de l'art, les érudits, ce, ce monde scientifique qui est important à l'intérieur du musée, qui fait avancer la connaissance, c'est aussi notre rapport. Mais pour le grand public, il faut pouvoir se l'approprier. Et, et, et je le dis d'autant plus volontiers que je suis devant un portrait de Léopold II, qui à mon avis d'ailleurs doit être un dépôt des musées royaux, hein, c'est pas impossible. Et ben voilà un, un sujet. Typique, c'est un sujet qui aujourd'hui est voué à toutes les malédictions du grand public, mais qui sait exactement qui il était, ce qu'il a fait, les décisions qu'il a prises, comment il les a positionnées Autrement dit, le musée, c'est un lieu de contextualisation. Et, et en absence des œuvres, on a développé la contextualisation pour donner envie de revenir voir les œuvres. Et ça, c'est finalement quelque chose qui a accéléré un, un, un mouvement. Que nous avions initié au musée en 2015 avec le partenariat avec Google autour de Bruegel l'Ancien, euh, la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien est un tableau typiquement hermétique pour le grand public. Qu'est-ce qui représentait Alors évidemment, il y a Saint Michel au milieu, mais en même temps euh, il y a euh, le diable en haut à gauche. C'est à la fois la Genèse des monstres et le Jugement dernier. Il y a le dragon, mais on en voit que neuf morceaux dans tout le tableau. C'est très hermétique pour le visiteur. La digitalisation avait permis de construire un discours de contextualisation qui permettait aux visiteurs, en quelques minutes, de manière très passive, hein, il suffit d'être présent, d'ouvrir les yeux et de regarder, et dedans, eh bien, ça donnait des clés pour regarder le tableau. Et ça suscitait une envie de voir le tableau. Et on s'est rendu compte, alors après, il y aurait une question à avoir sur quantité et qualité, parce que ça, c'est une question importante, on s'est rendu compte que les premiers visiteurs qui sont venus au musée au moment du premier déconfinement, étaient des personnes qui avaient envie de venir euh, faire l'expérience de ce qu'ils avaient vu de manière digitale ou à travers des, des visites guidées que j'avais faites de manière bricolée, volontairement bricolée, en une seule prise, sans le, le, le beau matériel que, que je vois en face de moi ici, simplement avec un téléphone, pour pouvoir simplement euh, partager le fait que moi j'étais tout seul dans le musée, ce qui est une expérience extraordinaire. Euh, et de prendre les gens avec moi en leur disant bah, quel tableau vous voulez euh, voir. J'ai eu des, 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 des révélations sous cette forme-là qui étaient assez amusantes. Euh, et et c'était une manière de, de partager. Et ça a donné aux visiteurs l'envie de venir éprouver la chose. Le musée, je pense, dans l'avenir, va être un lieu où on va éprouver physiquement, on utilise ce terme maintenant de manière présentielle, hein, qui n'existait pas avant, mais de manière physique éprouver quelque chose que le digital a rendu possible euh, sous forme de communication multiple, variée. Elles sont nombreuses et elles vont devoir se développer parce que le musée va probablement, à la sortie de cette crise, être véritablement un lieu en crise. – Michel Draguet, justement, vous parliez des équipes. Euh, et, et qu Est-ce est que le métier d'historien de l'art, est-ce que le métier de conservateur… A changé avec cette crise Est-ce que euh, ça veut dire qu'on doit l'aborder euh, différemment Vous parliez du rapport euh, entre le, le présentiel et le, et le digital. Est-ce que ça, gérer un musée, c'est gérer une entreprise aussi quelles, quelles ont été les difficultés euh, que, que vous avez rencontrées et, et, les, et les changements que cela implique Alors, un musée, c'est une entreprise assez étonnante. Euh, bah, Peut-être que l'ancien recteur de l'ULB va me dire qu'université, c'est la même chose. Ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé au musée, c'est euh, le grand écart dans le personnel que l'on a. On a du personnel qui est du personnel absolument pas qualifié. On a euh, requalifié la fonction de, de, de gardien du patrimoine. Hein. Euh, il y a une époque pas si lointaine où les gardiens du musée étaient souvent un personnel handicapé utilisé à la surveillance des salles. On était dans une vision où il suffisait d'avoir en fait un corps humain dans une pièce. grosso modo c'était ça la définition du gardien. Aujourd'hui c'est devenu un vrai métier. c'est souvent le seul contact que le visiteur va avoir à l'intérieur du musée. Les historiens d'art ne sont pas en général dans les salles, et ça va jusqu'à des doctorants, des post-docs, euh, euh, des, des, des érudits qui travaillent euh, en cabinet euh, à, à de la recherche. Euh, le métier de directeur de musée, d'abord, qui est celui que je pratique, c'est celui euh, de... de bah, on pourrait dire Dieu le père te dans la balance, enfin l'archange Gabriel te dans la balance, euh, c'est trouver un équilibre entre tout ça, parce que tout le monde, finalement, a sa vision du musée. Les services éducatifs ont leur vision, euh, le, le, les, les boutiques ont leur vision, le restaurant a sa vision du musée, euh, les conservateurs ont leur vision, les gardiens ont leur vision. Et il faut trouver un équilibre en partant toujours de l'idée que ça doit rester un plaisir pour le visiteur. Donc c'est très très compliqué. Ce que le Covid a amené, c'est une fermeture. Il euh, y a un côté très positif, ça a renforcé l'attachement des équipes à l'idée d'être au musée. Le, le, le bonheur d'y être, c'est quand même quand on regarde à l'échelle de la vie de l'humanité une chance de travailler dans un cadre de ce type, euh, à tous les niveaux. Euh, j'ai des gardiens qui sont artistes, j'en ai quelques-uns qui dessinent et qui peignent, et qui passent leur journée au milieu de, de, de leur père. Euh, donc il y a à tous les niveaux, vraiment, chaque individu est une histoire. Maintenant, dans, dans ce qui est le métier de conservateur en particulier, mais je dirais tous les métiers du musée, j'ai été très frappé par une étude de, de McKinsey, qui disait qu'en fait, cette crise ne fait qu'accélérer un mécanisme et que les entreprises qui seront florissantes à la sortie sont celles qui vont faire basculer leur structure en ne faisant plus du digital un département à côté des autres, mais en plaçant le digital au centre et en repensant l'entièreté de la structure à travers le digital. C'est un exercice très compliqué. Alors c'est assez amusant, parce qu'à un moment donné, on se retrouve autour de la table et on se dit, mais ça veut dire quoi en fait concrètement de faire ça et, euh, et au fur et à mesure que l'on creuse, on se rend compte qu'il y a effectivement euh, la gestion matérielle d'une œuvre aujourd'hui est une suite de gestes techniques euh, qui sont de moins en moins, quand on regarde l'évolution des musées, entre les mains des conservateurs, qui sont plus des, des observateurs, des garants de bonnes procédures, que véritablement de techniciens spécialisés. Et, et il est clair que la digitalisation va encore renforcer la gestion de ces œuvres d'art. Il euh, y a des choses qui ont. Vraiment changé. On a tenu à conserver des relations avec nos collègues étrangers qui ont continué de manière parfois assez étrange, comme à Paris, à faire des expositions que personne ne voit, puisqu'elles sont ouvertes, fermées et pas visibles. Mais on a fait donc des transferts d'œuvres d'art qui ont non plus été accompagnés par des conservateurs physiques, mais par des, des yeux électroniques derrière lesquels il y avait un conservateur qui assistait à toutes les étapes. Je pense que tous ces éléments-là, on ne les éliminera pas à la sortie. Ils vont faire partie de notre culture et le digital va se positionner euh, au centre du musée. Alors, euh, bon, ça répond aussi à des difficultés financières, mais euh, nous n'avons plus aujourd'hui les moyens d'ouvrir totalement le musée. On n'a plus le nombre de gardiens, euh, nous épuisons nos réserves, euh, nous sommes virtuellement en cessation de paiement au mois de juin 2021 parce qu'on aura épuisé nos réserves, l'État devra trouver une solution. Euh, mais en même temps, on va ouvrir par alternance l'art ancien, l'art euh, fin de siècle et les expositions, avec l'idée que lorsque, par exemple, l'art ancien va être fermé, il sera présent virtuellement, avec des visites 3D, avec des, des initiatives sur le net, avec une autre manière de s'approprier le, le patrimoine. Et c'est assez fascinant parce que la technique devient alors... Une autre manière de penser, et on va le placer au centre du musée. Et c'est très très curieux. On prépare une exposition avec euh, euh, la donation euh, des dessins d'un de nos confrères, Pierre Alechinsky, qui a donné beaucoup d'œuvres au musée euh, royal. On va exposer ses dessins. Et euh, lorsque la responsable du, du musée digital euh, me dit mais je mettrai le matériel digital sur le côté, je dis non non, maintenant le matériel digital, vous le mettez où vous avez envie de le mettre. Et on va construire autour de lui, parce que c'est, il doit avoir une position centrale. Parce que je pense que pour les plus jeunes générations, c'est probablement l'outil qui ensuite va donner envie de venir au musée. Et donc il doit être omniprésent. Et il doit être. Alors on a un projet avec l'Université de Mons, notamment, pour utiliser la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, le machine learning, à travers les dessins d'Alichinsky, pour enrichir finalement l'approche que l'on peut avoir. Ça va faire partie de la manière de regarder les œuvres d'art. Ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas la mienne. Mais je crois qu'on doit être conscient du monde qui nous suit, et, et c'est fascinant de, de le voir naître devant nous. Ça pourrait constituer une, une conclusion à, no, à notre entretien, mais est-ce que je peux encore, voilà, que je peux encore ouais. poser une, une, une dernière question sur, sur l'avenir? Quelle est la, la vision euh, de, de Michel Draguet sur ce que va devenir euh, le musée, et le sien en particulier, les musées royaux des beaux-arts de Bruxelles euh, J'aurais demandé, de Belgique, même de Belgique à Bruxelles. Euh, J'aurais demandé une vision à 30 ans, peut-être, euh, il, il y a un an. Euh, là, on a l'impression que c'est une vision à, à 10 ans, parce que euh, la crise, comme vous l'avez très très bien expliqué, a accéléré un certain nombre de, de processus. Alors, euh, dans 10 ans, un musée, euh, ça, ça serait comment D'abord, je pense qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et... Euh... J'ai été un des acteurs de cette dynamique qui était de dire le musée est un outil de développement touristique fondamental. Le musée Magritte en est un parfait exemple. Je le crois toujours, mais ce que cette crise m'a révélé, et je me rends compte que c'est partout pareil, c'est qu'en réalité, on avait un public fantôme qui n'est pas très présent dans les musées, dans aucun des musées. Sauf sous la forme coercitive des enfants venant en classe au musée, c'est le public local. Et euh, je suis entouré de personnes qui n'ont pas vu. Alors les expos, oui, mais lorsque nous avons eu accueilli des, des œuvres dans les salles A, ah, tiens, je ne savais pas, je ne l'ai pas vu, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas venu visiter le musée. Oui, j'ai vu les expos, mais je ne fais pas le musée. Le public local ne s'approprie pas ses propres musées. Et, et là, il y a une réflexion fondamentale à avoir. Quand j'entends Jean-Luc Martinez qui euh, est très optimiste sur euh, l'avenir touristique du Louvre, pour euh, vu les, les marges de développement touristique de la Chine et de l'Inde, j'aurais presque envie de lui demander mais est-ce que c'est véritablement le rôle du Louvre d'accueillir des armées, des bataillons de Chinois et d'Indiens rancérés à tel point que le musée est devenu invisitable C'est-à-dire, on peut y aller, on peut prendre son ticket, on peut y être, mais on est dans une foule qui a envie de ça euh, qui a envie de voir une exposition euh, Salvador Dali où il y a deux heures d'attente devant le centre Georges Pompidou C'est un vrai problème parce que c'est aussi un problème économique. Si ces musées le font, c'est parce qu'ils sont euh, construits sur ce business model-là. Et ce business model-là, il a une tendance à exclure le parisien au Louvre, le bruxellois ou le belge au musée royaux. Euh, nous n'avons jamais eu autant de visiteurs flamands que maintenant. Ils ne venaient pas au musée royal parce qu'ils allaient ou bien à l'étranger, à Londres, à Paris, et, et ils viennent pour l'instant. Or, c'est vis-à-vis de eux que notre devoir moral est le plus important. On a un devoir vis-à-vis -vis de l'humanité. Notre patrimoine est un patrimoine de l'humanité et l'humanité tout entière est, est à sa place à l'intérieur du musée. Enfin. Cette humanité est, est, est égale, mais il y en a certains qui sont peut-être plus égaux que d'autres, comme dirait euh, le plaisantin. C'est le public local, parce que ce qui est montré dans les musées royaux des beaux-arts de Belgique, c'est son identité, c'est les outils constructifs de son identité. Et là, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Euh, comment entrer dans une politique de relance sans basculer dans ce business model du tout tourisme massif qui à travers ses paquebots détruit Venise. Qui à travers ses ordres rend invisible euh, la grande galerie euh, du Louvre. Euh, comment conserver à ce qui est le premier public et Y a-t-il quelque chose d'ailleurs d'outrageant à dire Il y a un premier public, puis il y a le reste. Euh, comment le faire Les Parisiens sont très maris pour l'instant de ne plus pouvoir aller au Louvre parce que le bouche à oreille a fonctionné euh, et, et c'était le moment d'aller au Louvre. Les Parisiens, c'est le moment pour eux d'aller sur la Tour Eiffel. C'est impossible en dehors de cette époque-là. Et là, il y a quelque chose de, de, de perverse dans le système. Et je crois que c'est la responsabilité aussi des directeurs du musée à un moment donné de se positionner par rapport à ça. Mais c'est très compliqué, parce qu'en même temps, il y a les facteurs économiques. Et si vous dites, surtout dans le contexte qui sera le nôtre à la sortie de la crise, si vous dites au pouvoir public... « Mais moi un million cent visiteurs je ne veux plus faire ça. je veux en faire 350 000 qui sont bien reçus et qui vont venir chercher ce dont ils ont envie et pas des flots. Euh, vous n'êtes pas dans le, le, le comment pourrait-on dire dans le business politiquement correct Et il y a là un véritable problème. Le deuxième problème c'est le, le changement de paradigme du visiteur. Le confinement, je ne pense pas que 2021 va être une année festive. Euh, le, le délai de, de vaccination, le temps qu'il faudra pour retrouver une vie normale, et c'est seulement après qu'un certain tourisme va euh, redémarrer. Je pense que toutes ces, ces conditions vont, vont faire qu'une grande partie du public européen va être privé de musées, privé de culture purement et simplement. Et personne ne peut vraiment présupposer des habitudes qui vont être prises durant ce délai et comment ces habitudes vont prendre le pas sur la réalité ensuite j'ai le sentiment, quand j'observe les plus jeunes euh, utilisateurs du musée, que la fréquentation du lieu dans son caractère physique est de moins en moins une condition euh, fondamentale. Que finalement, avoir vu une expo online ou l'avoir vu en vrai a presque le même statut. Donc il faut travailler à l'idée de restaurer le goût de, de l'épreuve physique de, de l'œuvre, de ce plaisir sensuel, presque érotique, euh, du contact euh, de l'œuvre, de l'œuvre, l'œil qui caresse euh, un tableau, une sculpture, un dessin, euh, réapprendre à voir ces choses de manière concrète, et puis dans, dans ce contexte-là, réinventer le musée pour qu'il devienne un, un lieu de convivialité, un endroit où on a envie d'aller indépendamment des œuvres d'art qui y sont. C est, c est, alors comment le faire, je ne sais pas. Euh, Probablement que la pluridisciplinarité, euh, nous l'avions déjà éprouvé avant, on avait fait des soirées théâtrales, on avait demandé à des écrivains de rédiger des textes par rapport à des œuvres qui sont dans le musée, qui étaient jouées par des comédiens. Bon, aujourd'hui on ne peut pas le faire, mais on s'est rendu compte que pour tout un public qui ne venait pas au musée, qui était notamment le public qui allait au théâtre mais qui n'allait pas nécessairement au musée, c'était une autre manière de s'approprier euh, un art qui n'est pas vivant, hein, mais qui a sa poésie propre. Je crois qu'on va devoir aller vers cette voie-là, aller vers ce type d'implication. Un audio guide ne sera plus simplement une voix, mais ça devra probablement être un acteur qui est connu, qui que l'on peut rattacher à d'autres choses, pour faire rentrer le musée dans sa vie quotidienne et en faire un lieu dans lequel on va euh, finalement de, de, de façon totalement naturelle. Euh, les salles de sport ont l'air de représenter un, un espace. Euh, désiré pour un, un certain nombre de gens, que le musée n'est pas. Euh, pourquoi et, et il y a là certainement, alors je ne dis pas que je vais installer, on a déjà des salles où on fait du yoga hein, dans le musée, mais, mais euh, je ne dis pas qu'on va aller jusqu'à transformer le musée en un fitness club, mais il y a des, il y a des, des, des paramètres qu'il faut étudier pour voir pourquoi d'un côté il y a ce désir, et de l'autre côté ce désir est peut-être plus, plus lent à s'exprimer, il y a peut-être davantage d'entraves, probablement plus de barrières psychologiques, par rapport à cet élément-là. Et une des manières, je crois, d'y répondre, c'est aussi d'aller chez le visiteur. Donc que le digital s'installe chez lui, mais aussi que les collections puissent voyager dans les écoles avec des mallettes pédagogiques. Les enfants, c'est un parfait, euh, euh, j'allais dire, attrape visiteur, parce qu'ils vont amener leurs parents vers le musée, ils vont les guider, ils vont les cultiver. C'est le rôle des enfants, quand même, de cultiver les parents. Eh oui, en tout cas. Merci beaucoup pour cet entretien et puis euh, on ne peut que conseiller à, à tous d'aller visiter euh, non seulement les collections des musées royaux des beaux-arts de Belgique, mais aussi le lieu musée euh, et, et la manière dont il met les collections en, en évidence. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.